Donc bonjour à tous, nous sommes très nombreux ce soir. Alors, je vais vous faire une présentation sur Swift 3. Donc, dans un premier temps, je vais vite fait vous parler de moi. Ensuite, je vais vous parler vite fait de Swift. Je vais vous présenter les basiques du langage. Ensuite, on va voir un petit peu ce qui fait la spécificité de Swift 3 par rapport aux autres. On va parler des optionals, des extensions, du protocole. Et ensuite, on va voir un petit peu comment ça s'intègre dans l'environnement Apple tel qu'il existe. Donc, moi, c'est moi. Je suis développeur chez Sauti. J'ai fait du front-end quand je suis arrivé. J'ai commencé avec du Flash. Puis, j'ai ensuite fait du HTML, CSS, du JavaScript. Je me suis spécialisé dans le framework Backbone. Et puis, notre développeur iOS, c'est parti et c'est moi qui ai pris le relais. Donc, maintenant, je suis développeur iOS et ça fait 6 mois. Donc, je vais vite fait vous faire une intro sur Swift. J'ai pris celle de Wikipédia parce que je suis feignant et elle est bien faite. C'est un langage de programmation compilé multiparadigme développé par la société Apple. Grosso modo, il a un peu tous les paradigmes qu'on veut. On peut faire de l'objet, du fonctionnel, on peut faire un peu ce qu'on veut. Destiné à la programmation d'applications sur les systèmes d'exploitation iOS, macOS, WatchTV, tvOS, enfin tout ce qui est Apple, quoi. Il a été présenté en 2014 et il est conçu pour coexister avec l'Objectif-C, langage préféré de Sébastien, qui est à moyen terme pour le remplacer par un langage un peu plus user-friendly, à mon goût. Les basiques. Donc déjà, en Swift, il y a deux types qui existent. Il y a les variables et les constantes. Et on utilise énormément les constantes. On retrouve ça un petit peu dans la nouvelle mode du JavaScript, dans la version 6 où la notion de let existe aussi. Donc quand on crée une variable, on lui donne un préfixe var, et puis on lui donne un nom, et puis ensuite on l'affecte. Quand on crée une constante, on lui donne un nom, on l'affecte, et ensuite, une fois que c'est affecté, ça ne bouge plus. Si on s'amuse à la bouger, ça ne compile pas. Donc, ça marche pour une variable de type string, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ça marche pour un tableau, ça marche pour un dictionnaire, ça marche pour un peu ce qu'on veut. Dès qu'on va aller modifier le contenu d'une variable, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des affectations, il peut arriver en Swift qu'on ait des résultats qui retournent des retours de fonctions dans des résultats. Et quand on ne veut pas les utiliser, si on met rien, le compilateur, il ralouille et il dit « Ouais, j'aimerais bien que tu l'affectes ». Et donc, on a un superbe mot-clé underscore qui permet de dire « Bah ça, le résultat, tu le prends et tu le jettes, ça ne sert à rien ». Donc, ensuite, on arrive sur les collections. Donc, je vous fais les types un peu comme ils viennent. Donc, les tableaux. Un tableau, c'est... Donc, là, par exemple, c'est des constantes. Un tableau, on donne son type, et ensuite, on met dedans des choses qui correspondent au type. Si on s'amuse à mettre autre chose que des strings dans un tableau de strings, ça râle. Et si on est un petit peu casse-cou, on peut y aller sans mettre le type. Ça va marcher, il va automatiquement deviner que vu la tronche et vu qu'ils ont tous le même type, ça c'est un tableau de string. Alors, si par contre on s'amuse à mettre des choses dont lui il n'arrive pas à faire ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire à deviner ce que c'est automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il râle. Donc là, il faut bien lui spécifier son type. Je viens de voir que j'ai fait une grosse coquille, il manque un crochet-crochet ici pour que ça marche. Voilà, les dictionnaires. Un dictionnaire, c'est une map, hein. Donc une clé, une valeur. Un type pour la clé, un type pour la valeur, et puis on y va. On peut rentrer des choses dedans, et puis voilà. Le type ID, c'est quoi du coup? Type ID. ID. Où ça? Any, pardon. Le type any, c'est n'importe quoi. C'est l'équivalent de object en Java. Voilà, c'est n'importe quoi. Les tuples. Très rigolo. On peut faire plein de trucs. Le seul endroit où j'ai vu des tuples aussi élaborés, je crois que c'est en Python. On fait des trucs de dingue aussi avec les tuples. Et ben, en Swift, ils se sont dit « Ah, c'est sympa, c'est rigolo. » Et ils ont repris un peu l'idée. Donc, pour déclarer un tuple, on le met entre parenthèses et puis ensuite, on met les valeurs qu'on veut. Donc, un exemple de tuple, tout ce qu'il y a de plus basique en haut, on déclare une personne, on lui met un nom, un prénom, on ne le nomme pas. Et ensuite, on peut utiliser notre tuple en utilisant personne.0 pour le premier index, personne.1 pour le deuxième index. On peut faire la même chose en lui donnant un nom. Donc on lui donne le nom first name John, le nom last name Do, et puis ensuite on peut utiliser notre tuple en utilisant directement le nom. Alors,
on peut faire un truc sans lui donner de nom, mais en donnant des types. Ben, ça se complique. On va se retrouver avec un truc où on va dire le premier élément, c'est une string, ensuite c'est deux doubles, et à partir de ça, tu me crées des objets. Et puis ça, on peut les utiliser en boucle comme on veut. Et ensuite, attention, ça se complique, on va faire des affectations à partir de notre tuple. Donc on a déclaré notre tuple comme ça, et ensuite on va pouvoir affecter la variable name en fonction du résultat du tuple. Donc on va dire, le premier élément, tu le prends du tuple, donc du tuple GPS location, tu le prends et tu la mets dans la variable name. Le deuxième élément, tu t'en fous, le troisième élément, tu t'en fous. Et on va se retrouver avec une variable name qui vaut la valeur du tuple. C'est magique. Donc du coup, on peut récupérer juste la latitude ou la longitude de la même façon. Et on peut même faire des trucs super magiques, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, on peut faire des trucs magiques du genre inverser deux variables. Ça, quand on veut faire var a égale 1, b égale 2, a égale, enfin on veut changer, on veut que b vaille 1 et a vaille 2, et bien avec un tuple, on déclare un tuple dans lequel on met a et b, et ensuite on fait un tuple b virgule a égale a virgule b, et hop, on se retrouve avec une inversion de variable toute faite. C'est rigolo, mais moi je m'en sers jamais. Les énums, alors ça par contre, on s'en sert tout le temps. Dans l'API d'Apple, les énums, il y en a partout. Donc bon, ça sert à déclarer plusieurs valeurs pour un type du genre, là j'ai mis une énum chocolate, donc on va pouvoir déclarer si c'est un Snickers, un Twix ou un Wintip, et après on va pouvoir travailler avec son chocolate, le balader tout le long de son code, et il aura toujours le même type. Donc ça c'est pareil. On déclare une enum, donc enum chocolate, puis on met les case. Alors la syntaxe est un peu étonnante, mais bon. On utilise case pour les différents types qu'on va mettre dedans. Donc, par exemple, si on veut faire une chocolate bar, eh ben, on prend l'enum chocolate.bounty, et si on connaît directement le type de l'énumération, donc là je vous l'ai mis, hop, chocolate, on peut directement utiliser .bounty. Ça marche très bien avec le compilateur, l'assistance syntaxique de Xcode là-dessus est parfois un peu capricieuse. Donc des fois, on est obligé de revenir au type initial et de supprimer chocolate. Enfin bref, on s'en sort, on y arrive. Et un enum, ça s'utilise très bien dans un switch. C'est même presque fait pour ça. Donc on prend notre variable chocolate bar et on va faire un switch dessus et on va définir si c'est un bounty, je fais ça, si c'est un Twix, je fais ça, si c'est un Snickers, je fais ça. Je détaillerai un petit peu plus le fonctionnement des switches tout à l'heure. Le point après le case, c'est normal, c'est tout le temps ça. Case point de point. Ouais, c'est interne, je pense que c'est le type. Ouais, c'est parce que, en fait, c'est comme. On est dans le cas où on est là, donc chocolate bar est une chocolate, donc on connaît le type bounty et forcément de type chocolate, donc on peut s'épargner le chocolate.bounty, chocolate.twix, chocolate. Alors. Là, ça se complique. On peut utiliser des énums et mettre dedans des variables. Exemple typique, je ne vous l'ai pas pris parce que ça aurait fait un peu pomper, mais je l'ai trouvé intéressant quand même, c'est les téléphones. Le mec, il a écrit un énum sur le type de téléphone, donc il y avait iOS, tvOS, watchOS, macOS, et ensuite, en paramètre, dedans, il mettait la version. Donc iPhone 6 Plus ou des trucs comme ça. Donc là, moi, je vous l'ai fait avec la météo, parce que hein, c'est un peu plus sympa. Donc on se retrouve avec une météo, on dit juste si c'est rainy ou sunny, donc s'il fait beau ou s'il pleut, et ensuite, on va décrire un petit peu plus ce qui se passe, mais ça chaque énum va porter cette description supplémentaire. Donc, par exemple, on décrit une météo rainy, on va rajouter un petit peu plus d'informations en mettant stormy, donc en disant qu'il y a de la tempête, et on va mettre une température. Et on va pouvoir faire la même chose avec une sunny, on va pouvoir dire qu'il y a quand même des nuages et que la température est à 17 degrés. Et ensuite, on va pouvoir utiliser dans son switch, on va pouvoir dire, bon, si c'est rainy, tu fais ça, donc quelque chose d'un peu global. S'il fait mauvais, par exemple, tu affiches tel écran, mais tu vas pouvoir afficher plus d'informations également. Ça évite de les porter dans une grosse variable, etc. On les porte juste avec l'énum, c'est plus léger. Donc ça, c'est pareil, on en trouve pas mal. Hein. Moi, j'en ai vu pas mal, en particulier dans certains frameworks que j'ai utilisés. Et donc là, par exemple, je vous ai fait une impression de ce qui sort avec la description et la température. Les cases de météo sont obligés d'avoir le même constructeur ou
tout à fait, on peut. C'est pas obligatoire, puisque quand c'est dans ton case ici que tu vas définir, donc là tu vas avoir un case, si on dit un cloudy sans rien, tu vas avoir un case cloudy, et puis tu vas pas mettre les descriptions, les températures, et tu vas pouvoir directement traiter. Là t'es allé en arrière là. Ouais. Classe et structure. Alors, les structures, c'est un truc qui vient du C, si je dis pas de bêtises. Ça a été prodigieusement abandonné avec le Java. Et ça revient un peu à la mode, en particulier en Swift. Ils les ont reprises et ils les utilisent énormément dans l'API pour, je vais y venir après, mais pour tout ce qui est un peu simple. Une classe, bon, de façon simple, hein, une classe, c'est un objet qui est créé, et ensuite on balade le pointeur vers l'objet, et ensuite, dès qu'on va manipuler la classe, on va manipuler l'instance qui est pointée par le pointeur. Alors qu'une structure, c'est des valeurs, donc en fait, on peut le voir comme un gros objet, et que quand on balade notre gros objet, à chaque fois, c'est pas un pointeur vers l'objet, mais c'est l'intégralité de l'objet qu'on balade. Donc, bon, dans les deux cas, on peut définir des propriétés, stocker des valeurs, définir un ensemble de méthodes, avoir un constructeur et se conformer à un protocole. Les protocoles, on verra ça tout à l'heure. À l'inverse d'une structure, une classe, on peut faire énormément de choses, en particulier de l'objet, c'est fait pour ça, hein. On peut faire de l'héritage, on peut faire du polymorphisme, on a la notion de destructeur qui n'existe pas sur une structure, et on peut évidemment avoir plusieurs pointeurs qui pointent vers la même classe pour pouvoir l'utiliser à différents endroits de son code. Une structure. Donc, je vous ai fait une structure personne. Alors, je vous ai montré qu'il y avait une énum contenu. Donc ça veut dire qu'en Swift, on peut embringuer des classes dans des énums, dans des classes, enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et à chaque fois, on va se retrouver à pouvoir référencer les trucs. Avec là, en l'occurrence, ce serait personne pour un genre. Ça correspondrait à cet énum-là. Et quand on l'utilise dans le cadre de la structure, eh ben, on peut directement utiliser genre. Donc ça, on en retrouve pas mal aussi. Donc, un énum genre. J'ai défini ici, man-woman, une liste de propriétés, donc un full name, un genre, qui correspond au genre, et un email, un constructeur, donc init, c'est le mot-clé du constructeur, on lui passe les paramètres, on définit le contenu des variables. Alors attention, si on définit une lettre, si par exemple on avait défini une lettre description, enfin description c'est pas autorisé, mais desk, de point string, et qu'on n'avait pas dans le constructeur mis la valeur, ça aurait râlé. Quand on définit un let, il faut absolument qu'il soit défini à la fin du constructeur. Et puis une méthode, getDescription, avec un paramètre, complete. Si c'est complet, alors j'affiche la description complète, sinon je renvoie une description simple. Donc on voit ici la syntaxe, hein, une méthode d'instance, donc on a func, pour dire que c'est une méthode, le nom de la méthode, les paramètres nommés, ça c'est une spécificité, j'ai jamais vu ça dans aucun autre langage, donc on nomme ces paramètres. Et ensuite, la valeur de retour. Il est accessible de partout. Alors après, on peut utiliser je crois qu'on peut utiliser les opérateurs publics-privés, comme on veut. Mais là, tel que c'est, la politique de base, c'est, je crois que c'est internal. Donc on peut l'utiliser dans l'ensemble du projet qui est défini. Donc les fonctions, je reviens sur les fonctions qui contiennent une liste de paramètres. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit les fonctions là. Je crois que j'ai fait une copie. Ah si, non, c'est ça. J'ai mélangé un peu tout. Donc une fonction qui contient une liste de paramètres nommés dans un ordre précis, on y revient. Donc là, au lieu d'une structure, j'ai défini une classe. Donc dinit, un destructeur. Donc c'est pas nous qui l'appelons, le destructeur est appelé automatiquement par le système d'Apple, le garbage collector, même si ça ne s'appelle pas comme ça, au moment de la destruction de l'objet, juste avant de détruire l'objet, il va passer le destructeur, donc il va appeler dinit. Ensuite, on retrouve une fonction work, qu'on a définie avec une variable nommée duration, une variable nommée intensity, et une variable de retour, int. Donc là, en l'occurrence, on fait quelque chose, puis on retourne une valeur. Une fonction sleep, qu'on va définir comme étant sans paramètre à l'exécution, mais on lui donne un nom pour pouvoir l'utiliser dans son code, int, et une fonction sleep sans paramètre qui renvoie une valeur. Donc là, on va pouvoir utiliser évidemment la fonction qui a été définie précédemment
dans la classe, et on va pouvoir également se servir d'une fonction raccourcie, c'est ce qu'on fait là. Donc on a un slip avec un paramètre, un slip sans paramètre. Si on a le paramètre, alors on dit que par défaut c'est 8, on l'appelle et ensuite on renvoie le paramètre. Et une fonction play avec un paramètre duration qui vaut par défaut 8. Donc ça c'est un raccourci pour ça, si on avait mis égal 8 là. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est pas très compliqué ça. L'underscore dans le slip, là, donc on va y venir. Quand tu définis une fonction, tu donnes un nom à tes paramètres. Donc là, en l'occurrence, duration. Mais des fois, sur des fonctions simples, tu n'as pas envie qu'à chaque fois que tu utilises ta fonction, tu tapes le nom du paramètre, s'il n'y en a qu'un, par exemple. Et à ce moment-là, tu définis underscore avant. Et ça, ça veut dire que quand tu vas utiliser la fonction, tu ne vas pas avoir à nommer le paramètre. On voit ça tout de suite ici. Donc on déclare une personne. Donc on remarque qu'il n'y a pas de mot-clé new. Hein. Le constructeur d'une personne, c'est le nom de la classe entre parenthèses, avec évidemment toutes les variables qu'il y a besoin de mettre dans le constructeur. Puis ensuite, on va appeler la première méthode work. Donc on va lui passer le paramètre duration 8, le paramètre intensity 5. Si on écrit person.work 8,5, ça passe pas. Il faut donner le nom du paramètre. C'est exigé par le compilateur. Et par contre, person.sleep, ici, j'ai dit que le nom du paramètre, c'était underscore, donc on s'en fout. Donc on peut utiliser directement la variable 8. On peut aussi ne rien utiliser, et à ce moment-là, on passe dans ce cas-là. On peut utiliser la fonction play sans rien, et à ce moment-là, il prend la valeur par défaut qui est 8. Ou on peut utiliser la valeur play en lui mettant spécifiquement la valeur de duration. Et là, comme c'est un paramètre nommé, il faut bien mettre que c'est duration 2.7. Ouais ? Non, c'est interdit. L'ordre des paramètres compte, le nom des paramètres compte. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu peux pas en sauter un, quoi. Non, si tu veux sauter un paramètre, enfin, tu... Si tu as des valeurs par défaut, c'est ceux à la fin. Ouais, c'est ça. Ou alors tu décris des fonctions dans lesquelles tu mets pas tes paramètres, et puis ensuite tu mets les raccourcis que tu veux dans les fonctions que tu décris. Ouais. Bah pour la compréhension, c'est vrai qu'en fait, au début, on dit c'est lourd, et en fait, à la fin, on trouve ça sympa. La magie des getters et des setters. Donc ça, c'est un langage moderne. Hein. Donc les getters et les setters, on en retrouve partout. C'est des raccourcis. Là où en Java, on devait écrire get avec le camel case du nom de la valeur, etc. Là, ils ont fait des choses beaucoup plus simples. Donc quand on écrit une variable, on peut définir un get et un set, qui vont en fait créer ce qu'on appelle des variables calculées, ce n'est pas des variables immédiates. Et là, par exemple, si on écrit description de point string, on écrit une variable de type description, et ben, on va pouvoir définir le getter. Le getter d'une description, c'est tu prends le full name, tu prends le genre, tu prends l'email, tu concatènes et tu renvoies la chaîne. Donc en fait, on n'a pas de variable description qui existe, ça existe nulle part, et à chaque fois qu'on va appeler la méthode description, on va faire ce calcul. Il faut savoir que ça a un coût. Faire attention à ne pas faire des trucs qui mettent 8 minutes à s'exécuter à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, si on prend la variable description, c'est ce qu'on appelle un getter en read-only. C'est-à-dire que si je fais toto.description égale quelque chose, il va me dire non, 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 il n'y a pas de set, je ne sais pas faire. Ça, c'est pas possible. Et on peut également définir des getters et des setters personnalisés. Donc là, par exemple, j'ai décrit une variable job de type string. Donc, j'utilise, moi, en local, j'aurais pu la mettre private. D'ailleurs, logiquement, il aurait fallu la mettre private. Ma variable underscore job, qui correspond à là où je vais stocker le rendu de mon setter. Le get, pas de souci, tu renvoies la valeur qui est là. Mais par contre, le set, bah, avant de setter, je vais faire un petit traitement pour vérifier que les paramètres qu'on me passe, ils sont OK, et qui vont bien pouvoir faire quelque chose, et sinon je vais prendre un cas par défaut. Donc là, par exemple, je vais vérifier que quand tu me rentres un job, il est soit maçon, soit charpentier, soit carreleur. Sinon, eh ben, j'affiche que ça, c'est pas autorisé, et je remets la valeur par défaut qui n'est pas de travail. C'est clair ? C'est une convention personnelle qui vient du flex. Mais c'est pour les variables privées, on les met en underscore, et les variables publiques, on les met pas en underscore. Mais ça, c'est tout à fait personnel, pas du tout obligatoire.
Les événements avant-après. Donc là, on a vu qu'on avait des getters et des setters personnalisés. On peut vouloir faire des traitements avant que la variable soit setée et après que la variable ait été setée. Donc ça, willSet et didSet, on le fait très très bien avec un getter et un setter personnalisé. J'écris variable rating de point int, je fais un var underscore rating de point int et je mets un get qui renvoie mon underscore et dans mon set, je mets la valeur, je fais mon traitement avant, je regarde qu'est-ce que vaut mon underscore rating. S'il est quelque chose, je fais un traitement, willSet, avant que ma variable soit setée. J'affecte mon underscore rating avec la valeur qui m'est fournie. Et ensuite, je fais un traitement personnalisé, didSet. WillSet est appelé avant, juste avant que la variable soit fournie, enfin soit affectée, et didSet est appelé juste après. On l'utilise énormément pour mettre et retirer des observateurs. Typiquement, j'ai un objet, je change d'objet, je prends mon objet d'avant, je regarde s'il existe, je retire l'observateur, je prends mon nouvel objet, s'il existe, je mets un observateur. On verra ça tout à l'heure. Tu peux mettre, j'ai pas détaillé, mais on peut mettre dans le willSet, on peut mettre un new value ici en paramètre, et dans le didSet, on peut mettre un old value. Et on récupère comme ça. Je ne suis pas rentré dans le détail de ce genre de choses, je vous montre les concepts. Après, si vous voulez les utiliser, vous irez voir la doc, on peut faire énormément de choses avec ça. Mais il y a de quoi y passer 8 heures. Donc on revient sur notre classe, et puis on va faire un petit héritage des familles. Donc je crée une classe personne, PAM, ma classe générite, elle pourrait potentiellement être abstraite, bien que le mot-clé abstract n'existe pas. Mais moi, dans ma convention à moi, je pourrais dire qu'elle est abstraite. Et ensuite, je vais déclarer une classe employee qui hérite de personne, donc on remarque la syntaxe, ma classe de points, le nom de ma classe parente, dans laquelle je vais rajouter plein de trucs. Par exemple, je vais rajouter un job. Alors, ensuite, il y a toute une mécanique de constructeur. Il faut forcément définir un constructeur de base, donc init, dans lequel je vais... L'objectif, c'est que normalement, à la fin, toutes mes constantes sont déclarées. Donc, string self.fullname, self.email, self.job. Et ensuite, je vais définir des constructeurs dits raccourcis, qu'on nomme par convenience, dans lesquels je vais définir, par exemple... Là, j'ai fait un truc, c'est qu'on peut décrire un employee à partir d'une personne. Donc, on lui passe la personne en paramètre et le job dont il a besoin pour la variable qui est là. Et donc, on se retrouve avec un appel au constructeur parent avec les bonnes valeurs qui permet de faire en sorte que ça compile. Si je n'avais pas créé mon init qui est là, erreur de compilation. Attention, à la fin de votre constructeur, la variable letJob n'a pas été affectée. Si ? Self.init. Ah, si tu avais voulu appeler le super de ta classe personne. Ouais, super.init, ça marche, je crois. Donc là, je vous fais un petit topo d'une différence entre un passage par valeur et par référence. Normalement, c'est connu, mais bon, ça fait toujours du bien. Une structure de type virtual point, donc un point avec une coordonnée en x et en y. Un truc tout bête. Je crée mon point. Ensuite, je prends un deuxième point que j'affecte comme étant égal au premier. Je modifie la valeur x de mon point numéro 2, donc celui que j'ai affecté à partir du premier. Et je regarde, et oh, mon point x du numéro 1 a bougé. Bah oui, je pointais sur le même objet, j'étais sur le même objet, donc quand j'ai modifié la valeur, j'ai modifié la valeur de l'objet. Donc ensuite, quand je le récupère, c'est bien celle de l'objet. A l'inverse, avec une structure, je fais exactement la même manipulation, et si on regarde mon point numéro 1, il vaut toujours 0. Bah ouais, j'étais sur un passage par référence, j'ai recopié toutes les valeurs, et donc c'est deux choses différentes qui existent différemment dans la mémoire. Bah parce que sinon, j'ai pas le droit de faire ça. Ouais, justement, la question du coup, en fait, c'était à la fin de l'init. Si
On y va, on y vient tout à l'heure. La réponse est oui, il va te râler dessus. Okay. Et je vous explique pourquoi tout à l'heure. Hop. Quand est-ce qu'on utilise une classe? Quand est-ce qu'on utilise une structure? Bon, grosso modo, on utilise une structure dès qu'on veut essayer de faire un objet qui corresponde à un ensemble de petites valeurs. Donc, chez Apple, ils ont des CG Rect, CG Point, CG Si, CG tout ce que tu veux, donc tout ce qui est graphique et qui correspond à fixer des coordonnées ou des choses comme ça, pour eux, c'est des structures. Donc là, je vous ai mis, par exemple, un point géométrique, une coordonnée en x, y et en z, une couleur avec une transparence. On peut définir une couleur, par exemple, avec sa valeur hexadécimale et puis une valeur de transparence. Ou alors, on peut définir une couleur comme une variable en red, en green, en blue et puis une valeur de transparence. Et donc, si je passe ma couleur à une autre variable et que je veux changer la transparence, je ne changerai la transparence que de la deuxième couleur. C'est en général ce qu'on veut. Il faut toujours garder en tête, quand même, quand on code, est-ce que je manipule une classe ou une structure? C'est important de l'avoir en tête. Et puis, quand on est comme moi, on utilise des classes partout, parce qu'on a l'habitude, on a fait du Java. Et donc là, on sait que c'est systématiquement des passages par référence. Et donc, on crée des méthodes clones pour pouvoir utiliser des objets qui ressemblent, qui sont la copie d'un objet, etc., etc. Donc là, je vous ai mis tous les objets métiers. En général, c'est des classes. Une image, parce que c'est très gros et qu'on ne va pas s'amuser à balader 70 images en mémoire qui correspondent finalement au même contenu de données. Donc on va avoir un pointeur vers une image qu'on va balader un peu partout. Les structures de contrôle. Bon, alors là, le seul truc un petit peu étonnant, au début, on trouve ça déroutant, et puis finalement, on s'y fait très bien, et puis quand on revient dans des langages où c'est exigé, on se fait avoir. Il n'y a pas besoin de parenthèses dans les ifs. C'est très confortable, mine de rien. Une boucle. Alors là, la boucle, je crois que c'est une syntaxe à la Ruby, si je dis pas de bêtises, où on donne le premier élément, trois petits points, le dernier élément pour faire une boucle de type for i égale 0 et i est strictement inférieur ou égal à 10, i plus plus. On peut évidemment itérer sur une collection. Donc là, je vous épargne la logique, hein, mais il y a des protocoles, donc des façons de dire qui sont itérables, avec lesquels on va définir comment on itère sur une collection. Donc on peut créer ses propres collections sur lesquelles itérer. Mais si mon élément est de type itérables, je vais pouvoir utiliser un for v in vegetables. Donc là, en l'occurrence, pour tous mes vegetables, je vais les prendre un par un et puis je vais faire un traitement. Là, en l'occurrence, je l'imprime. Ou alors, j'ai besoin de mon index parce que mon vegetables, j'ai besoin de savoir si c'est le premier, le deuxième ou le troisième que je vois. Et à ce moment-là, on va utiliser la méthode enumerated, qui va nous renvoyer un. Vous avez suivi? C'est quoi ça? Ça, entre parenthèses. On l'a vu tout à l'heure? C'est un tuple. Ouais, c'est un tuple. Dans lequel on va avoir un index et un vegetable, puis on va pouvoir faire une impression. Voilà. Bon, c'est pas ça qui est compliqué. Les switches, bon, pareil, c'est rigolo, les switches. Les contraintes, un break obligatoire ou un fall through. Fall through, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'en Swift. Ça veut dire, quand on fait un switch en C, et qu'on est dans un case et qu'on définit, qu'on ne met pas un break, on va automatiquement dans le cas du dessous. Et bien, fall through, ça veut dire, oui, tu as le droit d'aller dans le cas du dessous. Et donc, on va faire le traitement de pommes de terre et le traitement de tomates. Si on met un break, là, par contre, on arrête le traitement. Et puis, un cas par défaut. Exactement. Mais en Swift, tu dois explicitement dire que tu veux tomber dans le cas suivant. Ben, en fait, c'est pas si idiot que ça, parce que le nombre de fois où on oublie un break dans un Swift et on se retrouve le bec dans l'eau à se dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça alors que je devrais pas ?» Finalement, avec ça, au moins, on sait ce qu'on fait, quoi. On est sûr de ce qu'on fait. Voilà, on est sûr qu'on l'a fait exprès. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. On y vient? Ah non, on n'y vient pas. On y viendra tout à l'heure. Tous les cas sont obligatoires systématiquement. Si je prends un énum et que je fais un switch sur un énum, si mon énum a 3 et que j'en mets que 2, il va me dire, non, 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 qu'est-ce qui se passe pour le troisième? Et si je fais un switch sur une string,
Je suis obligé de mettre, quand les cas sont affinis, je suis obligé de mettre un default. Je croyais que j'y venais après. Je suis étonné. Il y a un truc sympa à faire, c'est qu'on peut faire des switches sur des strings. On peut switcher à peu près tout. Tu peux faire un switch sur une int, un switch sur une string, un switch sur une enum, un switch sur... je crois même que tu peux faire un switch sur une classe. Oui. Et un default, ça marche. Ou alors tous les cas de l'énum et pas default. Il y a le droit. Tous les cas sont respectés. Faut qu'on fasse tous les cas. Hop, j'ai été un peu vite. Nil optionals, encore plus. On va venir à tes histoires de var qui ne sont pas affectées. Le Swift, c'est un langage, quand ils l'ont créé, normalement, quand on a compilé, il n'y a pas d'erreur possible. Ou alors c'est qu'on l'a fait exprès. La compilation est très très forte, très contraignante, mais du coup, elle garantit un code à peu près sûr. En particulier sur les histoires de null pointer exception. Quand on fait du Java et qu'on ne fait pas attention, ou stack, comment ça s'appelle heapdump, non, en C ça porte un nom, je ne sais plus, c'est l'équivalent. Qu'on ne fait pas attention, on se retrouve avec des nils partout qui se baladent et puis on ne sait plus si c'est nil ou pas, on se retrouve à tester toutes nos variables sans savoir si elles peuvent être nil. Enfin, c'est vite le bazar. En Swift, si je veux que ce puisse être nil, je le dis. Pour ça, on utilise des optionals. Si un élément n'est pas optionnel, on va y venir après la syntaxe, hein, alors il ne peut pas être nul. Il a forcément une valeur. Et donc on va pouvoir la traiter, sa valeur. Si on prend un élément de type string et qu'on lui affecte la valeur nil, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas un optionnel. String, ce n'est pas un optionnel. Et ma variable myString doit contenir quelque chose. Du coup, quand j'ai fini mon constructeur, ma variable myString, elle ne contient rien, le compilateur y râle. Il dit non, 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 ça, ça doit contenir quelque chose, c'est obligatoire. Nul. Ça veut dire pointeur vers rien, quoi. Pour définir un optionnel, on utilise un point d'interrogation. Quand on écrit que nilableString, c'est une string optionnelle, on écrit que c'est soit une string, soit nul. Alors, après, une fois qu'on a dit qu'elle pouvait être nulle, on peut utiliser ça comme on utilise des nils. Mais par contre, à chaque fois qu'on va l'utiliser, il va nous dire, attention, ça peut être nul, vérifie d'abord que c'est pas nul. Exemple. Je veux vérifier la nullité d'un optional. Je déclare une variable tvshow. Je déclare qu'elle peut être nulle. Je veux l'utiliser. Je veux l'imprimer, par exemple. Print.tvshow. Et ben, je vais commencer par vérifier la nullité avec un if. J'aurais pu tester if tvshow égale égale nil. Enfin, différent de nil. Mais si j'avais fait ça, je me serais retrouvé dans le bloc de code qui est là. Il m'aura dit, ouais, t'as testé qu'il n'était pas nul, c'est bien. Mais là, ce que tu utilises, c'est encore le nilable. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Donc maintenant, après, on va y venir, hein, il va me demander de forcer à dire que c'est pas nul. Alors, ils ont fait un petit sucre syntaxique qui est pas mal. Je déclare une constante à laquelle je donne le même nom. Et ensuite, quand je vais travailler avec cette constante-là. Et là, il me garantit qu'elle n'est pas nulle. Donc, if let tvshow égale tvshow ou tvshow est un optional, quand je suis dans le corps de mon if, tvshow ne vaut pas nul. On a la même mécanique, mais dans l'autre sens. J'ai une fonction quelconque avec des paramètres de type nilable, donc optionnel. Je veux traiter dans le corps de ma fonction, mais je vais d'abord garantir qu'aucun de mes paramètres n'est nul. Sinon, je vais mettre un cas d'erreur. Je vais utiliser guard. Donc guard, c'est exactement l'inverse. Enfin, c'est un if avec un else, et en fait, on va avoir un cas de sortie. Donc là, je vais définir guard let tvshow égale tvshow. Donc tu vas me faire un tvshow qui vaut mon tvshow dévrappé, qui n'est plus un optionnel, mon acteur qui vaut un acteur. Tu vas vérifier qu'au passage, tant qu'on y est, que la variable acteur, elle n'est pas empty. On remarque au passage isEmpty sans paramètre. C'est un getter construit par Swift, nativement. Hein. On imagine que isEmpty, ça va être compter tous les caractères et vérifier que c'est différent de 0. Et ensuite, je vais tester. Si
tous ces cas sont respectés, tu continues. Donc on va avoir accès à mon LED TV Show, mon LED Actor, et je vais les avoir, ils vont être dévrapés comme des optionnels. Par contre, un de ces cas n'est pas rempli, bam, tu sors, et obligation formelle, tu sors du contexte d'exécution. Donc un return, un break dans une boucle, un return, un break. C'est les deux seuls cas, c'est les deux choses qu'on peut faire. Si je le mets pas, il râle. Il me dit, attention, t'as vérifié que c'était pas nul, ok, mais ensuite tu continues. Ça marche pas. Donc, quand je suis là, TV show et acteur ne sont plus nullables, et au passage, j'ai vérifié que acteur, il avait au moins un caractère. Exactement. Mais on se retrouve des fois avec des if imbriqués dans tous les sens. Ça permet au début, en général, on l'utilise au début de l'entrée d'une fonction pour vérifier que tous les paramètres, et puis on va mettre un cas d'erreur pour chaque paramètre qui va pas être nul, un peu différent. On va écrire dans le logger, tel paramètre est nul, par exemple. Parce que là, on sait qu'on est là, quand j'écris ça. Je sais que je suis là, je sais qu'il y a un de mes paramètres qui n'est pas rempli, mais lequel ? Débrouille-toi. Tu recommences si tu veux. Mais c'est pas très rentable. Donc en fait, tu vas mettre des guards les uns à la suite des autres, et ensuite tu vas attaquer le cœur de ta fonction, et tu ne vas pas te retrouver avec un empilement de if comme ça. Et au final, c'est caractérisé par un point d'interrogation. C'est ça. Un point d'interrogation dans une déclaration de variable, ça veut dire que ta variable peut être nulle. Ah bah non, un let peut pas être optional. Un let, c'est une constante, elle vaut forcément quelque chose. Bon, les petits sucres syntaxiques. J'ai un optionals orange is the new black, je veux le passer en uppercase, j'ai la flemme de faire un guard let TV show égale TV show if let TV show égale TV show uppercase égale TV show pour uppercase. Hop, je mets mon petit point d'interrogation devant. Là, il n'a pas du tout le même sens que dans la déclaration de la classe. Hein. Et ça veut dire, si TV show est différent de nil, alors tu peux appliquer la méthode suivante. La même chose. J'ai mon TV show, toujours. Je veux un uppercase. Attention, parce que ça, je sais pas si je le dis, mais mon uppercase là, c'est forcément un optional. Puisque j'ai dit si c'est pas nil, donc si c'est nul, tu renvoies nil. Donc c'est un optional. Là par contre, je veux que mon uppercase ne soit plus un optional. Donc je fais la même manip, et je lui dis, et si jamais c'est nil, deux points d'interrogation qui suivent, alors tu lui mets la valeur par défaut, chaîne vide là. Ah ouais? D'accord, bah je connais pas Kotlin, mais... Moi, c'est la première fois que je voyais ça et je trouvais ça assez génial. Hein. Ouais, franchement, ça allège beaucoup le code et ça le rend beaucoup plus sûr. Quand tu commences à coder, quand tu voles, ce genre de code, t'es totalement perdu au début. Ouais. Une fois que tu maîtrises, si tu vas vite. Tu divises facilement par deux ou par trois. Ouais, on va beaucoup plus vite et on sait beaucoup mieux ce qu'on fait. Ouais. Tu es d'accord qu'avec ta valeur, ton code valeur par défaut, ton uppercase n'est pas un optional? Eh non! Et non, il n'est plus optional puisque j'ai un cas par défaut et que c'est pas nil. Et puis, je suis un bourrin, le compilateur, j'en ai rien à foutre. Moi, je sais que TV show, il n'est pas nul parce que je viens de le définir. J'utilise un point d'exclamation, ça veut dire tu dévrapes l'optional et puis si c'est nil, tant pis pour ma gueule. Et si c'est nil, qu'est-ce qui se passe? Bam, runtime error, je suis pas content, j'ai du nil et j'en voulais pas. Et ça rigole pas, hein. C'est immédiat, c'est sans appel. Donc je fais ça, je suis sûr de moi, grosso modo. Donc là, si je fais TV show 2.string égale nil, uppercase TV show point d'exclamation point uppercase, boum, runtime error. C'est pas la compilation, la compilation, il ne le voit pas, ça. Il dit, t'es responsable de ce que tu fais, t'as mis un point d'exclamation, t'as joué avec le feu, tant pis pour toi. On peut également définir un optional qui ne dit pas son nom. C'est ce que j'ai fait là. Plutôt que de mettre un point d'interrogation, j'ai mis un point d'exclamation. Et ça veut dire, pour le compilateur, cette variable-là, c'est un optional en point d'interrogation. Mais quand on va l'utiliser, à chaque fois qu'on va l'utiliser, tu feras comme s'il y avait un point d'exclamation devant. Tu le dévrapperas. C'est dangereux, hein. Fais pas ça n'importe où, n'importe comment. Hein. Mais ça marche quand même. Je peux tester la nullité. J'ai le droit. Je suis pas obligé. Et quand je vais l'utiliser ici, j'utilise pas mon point d'exclamation, je l'utilise comme une variable normale,
Et lui, il va le dévrapper, parce que c'est un point d'exclamation, et il va pas râler. Et ça ne me renvoie pas un optional. Ça, on l'utilise très peu. On l'utilise grosso modo pour des variables instances qui vont être setées, mais pas dans le constructeur. On retrouve ça, par exemple, quand on l'utilise dans les storyboards et qu'on va linker des views ou des choses comme ça. Ils vont les mettre directement comme ça en disant ouais, on sait que ça vaut quelque chose, on a fait ce qu'il faut, mais c'est pas dans le constructeur, donc bon, on tolère. Mais si soit on l'utilise, on a intérêt à être sacrément sûr de soi. Donc c'est ce que j'écris, hein. On l'utilise principalement pour les variables qui sont potentiellement nil, mais en fait qu'ils ne seront jamais. On peut l'utiliser pour du transtypage, ça c'est génial aussi. Alors ça, là on gagne du temps. J'écris un sample égal any, et ensuite je teste mon transtypage. Et je lui dis, bon bah si jamais ça marche avec ça, alors tu l'utilises en tant que int, et puis si ça marche pas, bah tu le fais pas. Bon, si je suis sûr de moi, je peux le forcer aussi. Mais pareil, je suis responsable de ce que je fais. Ça, si c'est pas un int, au revoir. Les erreurs. Alors les erreurs, moi je trouve pas ça terrible. Je trouve pas que ce soit une des grandes réussites de Swift. C'est un mélange entre des exceptions et des pas tout à fait exceptions, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et je vous en parle quand même. Donc une erreur, c'est un protocole qui s'appelle error, qui compte à rien. Un protocole, hein, je vais y venir tout à l'heure, mais un protocole, c'est un contrat de programmation, c'est tu es obligé de respecter telle et telle méthode, telle et telle variable. Donc une erreur, c'est un protocole qui contient rien. Donc là, j'écris une structure, je suis timide erreur, et je décris que c'est une erreur. Ensuite, je décris une fonction, je lui passe le mot-clé throws pour dire cette méthode renvoie des erreurs, et je mets un int. Ensuite, j'écris ma fonction. Donc, si mon âge est supérieur à 30, alors je renvoie une erreur. Sinon, je renvoie mon âge. Et quand je vais l'utiliser, il va falloir que j'utilise un try. Je vais essayer ça. Let Toto égale try called my age. Et là, bam, ça plante. Ça plante, il n'est pas content, parce que là, j'ai essayé, j'ai renvoyé une erreur, mon erreur n'est pas catchée, au revoir. Bon, par contre, si je mets un petit point d'interrogation devant mon try, je vais lui dire, t'essaye, tu vois si ça passe, puis si ça passe pas, tu me renvoies nil. Donc là, on se retrouve avec un cas d'utilisation des optionals dans les erreurs, en fait. Ouais, ça va pas marcher, t'as raison. Il faut une var. C'est la façon d'écrire une string, c'est quand on écrit une string, j'en ai montré plein, hein, j'en ai peut-être des un peu plus... Non, c'est pas pire. C'est pas mieux, mais c'est pas pire. Tu vois, j'en ai mis partout. Quoi. Tu vois, tu décris ta chaîne, et au moment où tu veux lui passer le nom ou quelque chose, tu mets backslash, entre parenthèses, le nom de ta variable. Et autre... Bah, t'écris ta chaîne, ta première variable, donc backslash, parenthèse, le nom de ta variable, fermez la parenthèse, espace, puis tu recommences au fur et à mesure de tes variables. Il n'y a pas de plus, c'est pas de concaténation. Non, pas de concaténation. C'est comme ça qu'on fait une string. Au départ, on se fait avoir. Au départ, on se dit, putain, comment je fais pour concaténer mes chaînes? Alors, en fait, si, il y a une concaténation, mais il ne faut pas l'utiliser, elle est très gourmande. Il faut utiliser cette méthode-là. Alors, je ne sais plus le nom, mais dans tous les objets, il y a un, je crois que c'est le getter description qui correspond à comment j'écris ma, comment je retourne mon objet sous forme d'une string. Ouais, il y a une valeur par défaut dans NSObject, enfin dans Object description. Alors, on peut capturer les erreurs. Là, je vous ai montré tout à l'heure qu'on essayait de faire un truc, et puis si ça ne marchait pas, on renvoyait nil, mais des fois, on aimerait bien savoir pourquoi ça ne marche pas. Dans ce cas-là, on fait un petit do avant. Donc do, je fais mon truc. Et puis si ça marche, bah, je suis content et je continue. Donc je continue à exécuter mon code. Si ça ne marche pas, je capture mon erreur. Par exemple, là, c'est l'erreur « je suis trop timide ». Et je dis « bah non, l'âge, c'est confidentiel. J'étais trop vieux pour que je te le dise. » Puis finalement, l'âge, c'est une autre erreur. Et bah, alors là, j'écris « je ne sais pas trop pourquoi, mais ça ne marche pas ». Ah non, non, tu peux définir toutes les erreurs que tu veux et les catcher ici avec un is.
et puis tu peux remonter tout en haut avec isError. IsError, c'est n'importe quel type d'erreur. Et là, par contre, tu ne vas pas crasher la machine. Ça va marcher. Ton code, il va continuer. Tu as un catch. Tout ce qui est dans le do va être il va arrêter l'exécution de tout ce qui est dans le do au moment où l'erreur s'est produite. Donc là, hein, au moment où j'ai fait mon try. Mais par contre, ce qu'il y a ici, ça continue. Ouais. Mais sauf que ce n'est pas des vraies erreurs. C'est ce que j'écris là. Ce n'est pas les runtime exceptions. Donc tes erreurs, c'est toi qui les écris, c'est toi qui les fais, c'est toi qui les définis. Mais si tu t'amuses à dévrapper une optionals là-dedans, tu crashes pareil. Hein. Il s'en fout, lui. Hein. C'est pas une erreur pour lui. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on appelle des erreurs en Swift, c'est pas les runtime exceptions. C'est pas une exception en Java, au sens où en Java, on peut tout catcher. Puis remonter la source et puis essayer de débugger pourquoi il y a une erreur. Là, on peut pas. Les runtime exceptions, il en faut pas. Hein. La syntaxe, c'est toujours ça. Non. C'est bizarre, mais c'est parce qu'en fait, tu peux faire plusieurs tries et puis... Tu peux avoir un let toto égale try, let toto égale try point d'exclamation, par exemple. Tu peux avoir, enfin, tu peux imaginer plein de choses. Les petits trucs en plus. Les protocoles, je vous en parle depuis le début parce qu'on en parle beaucoup. C'est une interface en Java, pour ceux qui connaissent. C'est un contrat. Donc, je décris un protocole, en l'occurrence Ghostbuster, dans lequel il faut avoir une factory ID de type getter et setter. Donc je décris que ça, il va y avoir une variable factory ID, on va pouvoir la getter, on va pouvoir la setter. Il va y avoir une variable name qu'on va pouvoir getter. Il va y avoir une fonction int. Et dans tous les cas, je vais pouvoir utiliser ça sur mon protocole. Je vais pouvoir faire mon protocole Ghostbuster, donc mon instance, point factory ID égale, ça va marcher, point name égale, ah non, 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 c'est un getter only, donc il n'y a pas possible. Même si derrière, dans l'objet qui implémente le protocole, la méthode set est définie. Hein. Il s'en fout, lui. Si on a défini comme étant un protocole, on a le droit d'utiliser que les méthodes du protocole. Et puis, un autre protocole, Daemon Reaper. Donc, on va retrouver les deux premières. Hein. Pas grave. On s'en fout pour le moment. Et une fonction kill. Et puis, on va définir un troisième protocole, Super Killer, qui va être à la fois un Ghostbuster et un Daemon Reaper. Il va devoir respecter ça, plus ça, qui en fait sont la même chose, donc une fois ça suffira, plus ça, plus ça. Et puis on va pouvoir lui définir encore autre chose. Les extensions, ça c'est magique. Ça c'est le truc, quand je suis arrivé, j'ai fait, ça c'est magique. Swift 3, Swift 2, il n'y a pas. Hein. Je prends n'importe quelle classe. Je veux la conformer à un protocole qui n'existe pas. Pas grave. Je dis, tu crées une extension, avec le mot-clé extension. Là, je prends la classe double, on peut pas plus natif comme classe. Je veux la conformer à un protocole distance convertible. C'est pas faire, hein. Naturellement, moi, j'ai jamais vu ça dans aucun langage. On peut pas faire. Ben là, c'est pas grave, on arrive en Swift, et on prend nos petites mains, là, on dit, bah, double, c'est une distance convertible, et puis c'est une extension, donc tu vas prendre double, et puis ensuite, tu vas définir la méthode kilomètre avec un getter, la méthode mètre avec un getter, etc., etc. Et puis tu vas pouvoir utiliser double, et puis dans ton code, partout où tu auras des doubles, ben, tu vas faire double.mètre et ça va marcher. C'est prodigieusement magique. On s'en sert quand on a des classes sur lesquelles on aimerait bien avoir des helpers pour avoir des raccourcis plutôt que d'avoir mon helper.transforme ma classe en autre chose. Tac, on fait une petite extension, hop, ça marche tout de suite, c'est génial. Vraiment, ça c'est top. Alors quand on y a goûté, on en use et on en abuse. Hein. Peut-être un peu trop même des fois. Les closures. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être fonctionnel comme langage, donc il y a forcément des fonctions sous forme de variables, sinon c'est pas fonctionnel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une closure? Une closure, c'est une fonction sous forme d'une variable, comme je viens de le dire. Et lambda, c'est ça. Donc là, j'ai décrit une fonction que j'ai mis dans une variable, c'est i, avec laquelle il n'y a pas de paramètre en entrée, qui sort un paramètre en sortie. La syntaxe, horrible, on s'en sort jamais. On y passe des heures. Je vous ai mis en fin de diapo, il y a un site hop. Fucking closure syntax. Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour avoir la syntaxe des closures en Swift. On ne s'en sort jamais. C'est toujours insupportable, mais très pratique. Donc on s'en sert. Mais on n'arrive jamais à faire exactement ce qu'on veut. On passe une heure à faire des modifications, à mettre les parenthèses où il faut pas, etc.
donc avec un paramètre. Et ensuite, on va déclarer que x correspond au premier paramètre que j'ai mis, in, et là, on va décrire le chlore de la fonction. Si j'avais deux paramètres, ça aurait été x, y, et puis là, j'aurais pu l'utiliser. Et ensuite, on utilise sa fonction comme n'importe quelle fonction. Bon, les closures, c'est utilisé comme paramètre de fonction pour faire de la synchrone. Ça sert à ça. Ça sert quasiment qu'à ça, et ça sert toujours à ça. Quand on est dans le contexte, on peut utiliser le contexte de la closure à plante. En JavaScript, typiquement, c'est insupportable. On est là à faire des var self égale this pour sauvegarder le contexte, et ensuite, dans sa closure, on va aller récupérer le contexte existant avec le self, etc. En Swift, pas de souci. Tout ce qui est défini dans le contexte avant l'exécution de ta closure existe. La seule petite nuance, c'est que si on est dans un objet, il demande à ce qu'on pointe vers self quand on utilise une variable. Il veut self pointe le nom de la variable et pas que le nom de la variable, sinon il râle. Mais autrement, on peut y aller tranquillement. Donc là, par exemple, j'ai défini une classe baker avec une fonction makeSomeBread. On lui passe une liste d'ingrédients et on lui donne une fonction. Quand c'est prêt, qu'est-ce que tu fais? On fait un traitement et puis ensuite on appelle la closure. Donc si par exemple je fais une fonction cook, je définis ma liste d'ingrédients. List, ça veut dire levure, pour ceux qui sont curieux. Je définis un message bakeIsDone parce que je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser en dehors de la closure. Enfin, qu'on peut utiliser dans la closure quelque chose qui a été défini ailleurs. Ensuite, j'utilise ma méthode, selfMakeSomeBread. Je lui passe ma liste d'ingrédients. Mon paramètre ici, whenBakeIsDone. Je définis le nom de mon paramètre, qui est là, string, bread, string, c'est la même, in, puis je définis mon comportement. Et j'utilise mon bakeIsDoneMessage plus mon pain. Et voilà. Alors, il y a des petits raccourcis syntaxiques. Déjà que c'est pas simple, mais alors avec les raccourcis syntaxiques, c'est encore pire. Je sais pas si c'était une bonne idée. Mais grosso modo, quand on a une closure qui est la fin d'une fonction, on peut s'abstenir de spécifier le nom de la closure et le définir comme étant à la fin de la fonction, comme ceci. Ça, je trouve pas que ce soit l'idée la plus brillante qu'ils ont eue, parce qu'en termes de compréhension, quand on n'a pas l'habitude, on est paumé. Par contre, on gagne du temps. Donc ça... Et ça, c'est la même chose. Faut le savoir, hein. Ça s'invente pas. Et si le traitement de la closure est asynchrone, on utilise @escaping devant sa closure. Donc, grosso modo, on utilise tout le temps @escaping devant une closure. Parce que ça sert à ça. Je veux dire, faire des closures dans du synchrone, il y en a qui aiment, hein, mais pas moi. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne un petit peu dans l'environnement d'Apple. Donc, on va regarder un petit peu les différentes choses qui existent. Et puis, on va voir qu'on retrouve énormément de choses qu'on vient de voir, hein. La gestion des événements, parce que c'est la base dans un langage. iOS, c'est quand même fait principalement pour faire du graphique. Des événements, on en bouffe tout le temps. Donc, pour utiliser des événements, on utilise un truc qui s'appelle NotificationCenter.default et qui est le gestionnaire d'événements d'Apple. Apple centralise tous ses événements dans un gestionnaire d'événements, NotificationCenter.default. On peut utiliser son propre Notification Center, mais ça ne sert à rien, c'est pas conseillé, c'est prendre la place, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait avec un Notification Center? Au début, moi, j'étais perdu. Hein. Je voulais rajouter mes event listeners sur mes objets. Hein. Je faisais ça naïvement, comme dans tous les autres langages. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah non, des événements? Notification Center. Pose pas de questions. Donc, des événements de type globaux, des événements de type objet, associés à un objet, Notification Center. Et attention, quand on met un événement, on retire son événement. Sinon, crash! Deinit, il y a toujours un événement qui est bindé, je veux pas, je plante. Une notification, donc là on retrouve un une classe, non je crois que c'est une struct intégrée, donc notification c'est une classe dans laquelle il y a une struct qui s'appelle name, et donc on va retrouver notification.name avec le constructeur qui va bien. On l'utilise, on est en dehors de notification, donc tu vois, ça répond à ta question du contexte. Notification Center Default Add Observer, une syntaxe un peu verbeuse. Je mets sur mon self, donc moi, avec l'appel à la méthode self onEvent, donc sélecteur, je vais vous en parler tout de suite, une notification sur le nom notification que je viens de définir ici, avec un object nil. Et là, ça veut dire j'écoute tous les événements qui contiennent
my notification. Et quand il y en a un qui arrive, tu lances la méthode onEvent. De dièse-sélecteur, là, ça c'est de la syntaxe Swift 3. En fait, à l'origine, c'était des strings dans Swift 2. Donc on mettait self.onEvent en string. Problème, on ne peut pas vérifier la validité à la compilation. On peut mettre n'importe quoi, on peut mettre XYZ si on veut. Du coup, runtime execution error, ils n'aimaient pas. Ils se sont dit, on va rajouter une couche. Et ils ont fait ce qu'ils ont appelé, je ne sais même pas comment ça s'appelle en fait. Il y en a deux, moi, que j'en connais. Il y a selector et puis keypath, on y viendra tout à l'heure. Et qui correspondent en fait à une string, mais je sais que derrière, il y a quelque chose de sérieux. Et ça, c'est validé à la compilation. Donc si je mets self on event 1 et que ma méthode, elle n'existe pas, il va me dire, bah, on event 1, ça n'existe pas, tu n'as pas le droit. Je mets une string, il ne veut pas non plus. Hein. Swift 3, hein. Je vérifie. Donc compatibilité Swift 2, Swift 3, il y en a qui ont eu des problèmes. Je veux faire la même chose, je veux observer, j'ai un objet quelconque, et puis je veux observer quand est-ce qu'il enregistre un événement. Là, en l'occurrence, de changement, par exemple, quand il dit j'ai changé. Alors là, je passe encore par mon notification center. Moi, naïvement, j'aurais fait un letBaker égale Baker, j'aurais fait un Baker.addEventListener machin, avec mon sélecteur et puis le nom de mon événement. Non, ça ne marche pas comme ça. On passe par le notification center. Notification center, default, addObserver, moi, mon sélecteur, le nom de mon événement, et là, on met objectBaker. Et je ne vais réagir que sur les événements de cet objet-là. La différence. Et attention, je mets un observateur, je retire un observateur. Quand on met un observateur, première question qu'on doit se poser, c'est où je le retire. Je mets un observateur, je retire mon observateur, donc je lui dis moi, je lui mets pas le sélecteur parce qu'il sait forcément qu'est-ce que c'est en fonction du name et du truc, il va automatiquement trouver le sélecteur, et je lui dis sur l'objet machin. Si je mets pas d'objet, ça marche aussi. Je vais retirer tous les événements de type baker.change qui seront envoyés par la machine. Bon, maintenant que je peux réagir à des événements, c'est bien de pouvoir envoyer des événements. C'est un petit peu plus cool, mais ça passe toujours par notre notification center. Et on met le nom et l'objet. Donc là, en l'occurrence, j'envoie un événement de type myNotification global. Et là, je fais mon baker il change, j'envoie un événement de type baker change sur l'objet baker via le notification center. Le KeyVio, ça, si on fait du Swift, il faut connaître, hein. L'utilise partout, 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 même là où on n'imagine pas l'utiliser. Grosso modo, ils se sont dit, ah, notre notification center, c'est un peu chiant, c'est un peu lourd, donc on va faire en sorte que les gens puissent épier directement quand le contenu d'une variable y change. Donc j'écris une classe daemon avec une variable life qui bouge, je la spécifie comme dynamique, et maintenant, à partir de maintenant, je vais pouvoir sur tous les objets daemon qui existent pouvoir espionner la valeur de life. Et quand life va changer, je vais être automatiquement averti sans passer par le moindre événement nulle part. Évidemment, il y a des événements hein, en sous-jacent, mais nous, on les voit pas. On y va. Je définis un observateur. Donc je prends mon objet et j'ajoute un observateur. Je veux être averti. Moi, pour le keypath, alors là, au lieu d'un sélecteur, on va définir un keypath. Donc c'est sur l'objet qui va changer quelle est la variable que je vais espionner, en l'occurrence daemon-life. Des options, on y vient tout à l'heure, et un contexte, on y vient tout à l'heure. Et là, ça va automatiquement faire un event listener sur l'objet daemon, sur la variable life. On y vient tout à l'heure pour savoir comment est-ce qu'on réagit à cet événement. Les options possibles qu'on peut passer, point new, je veux avoir la nouvelle valeur, point old, je veux avoir l'ancienne valeur, point initial, je veux qu'au moment où j'ai défini mon observateur, tu fasses un premier appel, même si la variable n'a pas changé, pour pouvoir initialiser quelque chose. Point prior, on ne l'utilise jamais, c'est si je veux être averti avant et après que ça ait changé de valeur. Personne n'utilise jamais ça. Les trois premiers, par contre, on les utilise énormément. Et vous avez remarqué, si vous êtes un peu vigilant, qu'on n'a pas spécifié de fonction. Ben non, tout se passe dans la même fonction. On a une fonction par défaut, observeValue, qui sert à ça. Alors, je vous dis pas le bordel. Hein. Les observeValue dans des classes un peu compliquées, ça fait des lignes. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le keypath qui a été envoyé, l'objet, les changes, donc tous les changements qui ont eu lieu si on les a demandés, et le contexte.
Et la première chose qu'on fait, c'est de regarder, bon, je suis rentré dans ma fonction, mais je suis rentré pour quoi? Je suis rentré pour mon objet A et la variable 3, je suis rentré pour mon objet B et la variable 4. Donc on commence par filtrer. Alors, si ma variable, elle est due à démon, parce que c'est un démon et que mon keypath, c'est daemon.life, bon, ben, je sais que je suis rentré parce que c'est daemon, c'est un objet de type démon et que c'est la vie qui a changé. Je vais commencer un traitement, mais je peux même être amené des fois à vérifier que c'est bien le bon objet. Parce que si on en a trois et qu'on met trois event listeners, on peut avoir envie de savoir lequel a bougé, pourquoi. Et là, on récupère la vieille variable, la nouvelle variable, et puis on fait quelque chose. Donc, quand on a du code un peu conséquent, quand on a des grosses classes, en fait, en général, ici, on commence par faire les tests, là, et ensuite, on appelle une fonction qui permet de filtrer. Pour soulager un peu, parce que sinon ça fait un énorme bloc. Par contre, dans les petits trucs, c'est vrai qu'on se laisse assez vite aller là-dedans. Donc je ne vous ai pas parlé du contexte. On peut définir un contexte, j'en ai eu besoin une fois, pour son event listener, et comme ça on peut trier le contexte. Ça sert en fait à rajouter une information supplémentaire au niveau de l'event listener. La dernière chose qu'on va voir, NSOperation, NSOperation queue, les threads. Alors là, il y a des arrachages de cheveux en perspective. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une opération? C'est un bloc de code qu'on exécute dans un thread. Qu'est-ce que c'est qu'une operation queue? C'est une queue d'exécution dans laquelle on va gérer le cycle de vie du thread. Ce code-là, si vous faites du Swift, vous le reprenez, c'est génial. Ça vous file une opération toute faite. D'ailleurs, j'ai oublié de virer le nom de la boîte. C'est la mienne, hein, celle que j'utilise partout. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une enum, state. On retrouve une variable, isosynchronous. On retrouve un state, donc une autre variable, qui est sur l'enum. Un paramètre isexecuting, un paramètre isfinished. Ces deux paramètres-là, et ce paramètre-là, c'est obligatoire de les avoir pour une operation. Une operation, c'est défini par isfinished, isexecuting, isasynchronous, un name, etc. Je vous invite à aller voir si vous voulez. Donc j'ai d'opération. Et qu'est-ce que je fais? Je définis un state. Soit ready, soit executing, soit finished. Et ensuite, un keypath. Donc ça, c'est une variable qu'on a appelée keypath, qui est une variable, comment j'ai dit tout à l'heure, calculée, qui va être utilisée sur le state. Ici, on a notre variable state, state.ready, willSet, on retrouve nos willSet et nos ditSet. Will change value, ça c'est ce qu'on utilise pour faire du KeyVio. Quand on fait du KeyVio, en fait, on va appeler la méthode will change value avant et la méthode ditChangeValue après pour dire j'ai changé la variable de telle variable, la valeur de telle variable. Et donc là, on va définir will change value. Alors là, il y a un petit micmac parce que en Swift 3 ça marchait très bien, en Swift 3.1 ça marche plus. Ils sont un peu craqués au niveau des is et des pas is, etc. Donc on envoie tout, on s'en fout. Et donc, la variable isExecuting, elle dépend si mon state est executing, si mon state est finished. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon opération, par défaut, elle est ready. Ensuite, on va passer en isExecuting, donc on va appeler state égale executing. Ça va faire state, on va faire un willSet, on va dire je vais changer la variable state, elle va valoir machin. Et on lui dit au passage isExecuting va changer de valeur. Ensuite, on fait un ditSet, on dit j'ai changé ma variable state, isExecuting a changé de valeur, et donc on va pouvoir mettre un keyVio sur isExecuting. On fait la même chose avec finished, et on a une opération. C'est pas simple, ça nécessite un petit peu de temps d'analyse. Si ça vous intéresse, vous regarderez. Une operation queue, c'est quoi hein? C'est les pull thread executors en Java. Hein? Donc c'est les trucs dans lesquels on va exécuter des threads. Donc je décris une opération sur laquelle j'utilise le keyVio qu'on a vu précédemment pour dire tu regarderas quand c'est fini, tu me le diras. Et je la balance dans ma queue. La queue, elle s'occupe de la lancer sur le bon thread, avec la bonne priorité, de la passer automatiquement en isFinished quand elle est finie. Donc on est dans ce que j'ai oublié là, c'est que dans une méthode operation, on a un run, dans lequel on commence par faire un self.isExecuting égale true, et à la fin, on fait un self.isFinished égale true. Donc là, ou avec les states, state égale .executing, state égale .finished. Donc là, on se retrouve avec un truc qui va marcher tout seul. Et quand mon opération
va être fini. Donc là, je teste si c'est bien une opération, si le keepAF c'est bien is finished. Je dis mon opération est finie et je retire mon observer. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un thread. J'ai fait un thread qui s'exécute. Donc si dans la méthode de mon opération, j'ai un run qui fait quelque chose, ben, le run va être exécuté sur un thread. Et ensuite, c'est moi, dans la queue qui est là, qui vais définir si ça doit être exécuté dans... Ben, c'est forcément dans un thread séparé. Mais si on peut en exécuter plusieurs à la fois, il y a des histoires de dépendance d'opérations. On peut dire qu'une opération ne peut pas être exécutée avant qu'une autre est finie, etc. etc. C'est le point d'entrée, c'est compliqué, mais c'est bien, bien fichu. Mais bon, il faut s'y mettre quand même, hein. C'est pas trivial. Les liens utiles. Revanderlicht, c'est là que j'ai tout appris, c'est payant, c'est dommage. C'est 10 euros le mois et on s'inscrit, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de s'inscrire pour un an, par exemple, on peut s'inscrire mois par mois. Donc moi, je me suis inscrit pendant 3 mois, j'ai bouffé tous leurs tutos vidéo, ils sont vachement bien faits. Et on élague pas mal, on apprend pas mal de choses. Cocoa with Love, gratuit mais moins bien. Fucking Closure Syntax, ne sert que pour la syntaxe des closures, mais sert souvent. We Heard Swift, le début, ça reprend un peu ce que j'ai dit, en rentrant un peu plus dans le détail à chaque fois. Et puis évidemment, la doc d'Apple. Hein. Pour tout, quand on commence à maîtriser, après on se sert plus que de ça. Voilà, je sais pas si vous avez des questions.